Ah, buonasera, buongiorno, coucou a tutto il mondo. Mm, Oggi io vengo a parlare d'italiano, ho envie di parlare italiano. <laughs> buonasera a tutti, come state ragazzi? Come andate? Tutto bene? Uh, grazie a Dio, i corona sta <laughs> andando via. Quindi ringraziamo Dio, grazie a tutti, che, grazie a tutte le persone che mi seguono, che mi incoraggiano e che mh, condividono quello che faccio. Grazie a tutte le mamme, soprattutto in Italia, che sono di un supporto grande per me. Ne sono contenta, vi ringrazio tanto, tantissimo. E mh, sono orgogliosa di avervi vicino a me, ok? Grazie, 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 grazie. Un infinito di grazie. Non finirò mai di dire grazie. Voi lo sapete già. Eh, se mi conoscete, mi conoscete bene sapete che io, io dirò sempre grazie. Comunque mm, vi ringrazio. Continuate a condividere, a mettere mi piace e soprattutto a parlarne vicino a voi. Perché insieme possiamo fare tante cose. Perché insieme... Uh, salveremmo la vita di tutti i camerunesi, gli africani del mondo, faremo tante cose insieme. E mi, sono, mi è piaciuto oggi di parlare italiano perché era un tempo, un bel tempo che non parlavo italiano, mi mancava tantissimo. Ma mi piacerebbe comunque fare un giro in Italia e parlare italiano. Faccio un saluto grande a Carolina e a Vincenzo. Ok, um, then. Today, we're gonna talk about diabetic food, diabetic food. But we talk in French because my English is not perfect. I am trying to improve it and I will improve it. I'm very sure. I'm very confident. Okay, let's talk now about diabetic food, guys. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. C'est un commandant qui est fin. Qu Aujourd'hui, je vais parler du pied diabétique. Aha. On a défini le diabète. On a parlé de tout ce qui regarde le diabète. On a compris ce que c'est que le diabète. Et on a compris les complications. On a compris ce qui est en jeu lorsqu'on ne prend pas soin de sa santé et qu'on peut avoir le diabète. On a aussi compris que c'est important de. de, de la caméra là, ne veut pas se placer je... bien On a aussi compris que c'est très important de prendre soin de son corps et de prévenir les complications quand on a déjà le diabète parce qu'on peut vivre avec le diabète longtemps. Maintenant, je veux parler du pied diabétique, ce qui conduit souvent à l'amputation. Pourquoi Parce que c'est très important que les gens le sachent. Et c'est ça même qui est le risque majeur, à part même les maladies cardiovasculaires. Donc, si tu souffres de diabète et que tu penses que tu peux... Tu ne peux pas vivre avec cette maladie. Non, tu peux vivre avec cette maladie si tu adoptes l'hygiène de vie que Santé et Prévention t'en parle. Si tu adoptes toutes les mesures dont je t'en parle au quotidien et dont les gens en parlent sur la page ou autour de toi. C'est très important. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi l'artiste camerounaise Moumanga a été amputée. Vous allez comprendre qu'il y a eu un peu. Euh, euh, comment je vais appeler ça Il ne faut pas être dur. Il ne faut pas aussi parler d'une défunte comme ça. Père à son âme déjà. Il y a un peu une négligence parce que certaines choses, lorsqu'on prend soin de tout ça, on arrive pas au pied diabétique et on n'arrive pas à l'amputation. Donc, lorsque vous souffrez déjà de diabète, sachez que le glucose est partout dans le sang. Ça veut dire que ce qui devrait normalement marcher dans le sang, l'immunité, les, 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 les protections de, du corps, euh, l'oxygène, le CO2, ça n'a plus assez de place parce que le glucose est partout. Ça veut dire que l'oxygène qui est supposé irronner vos terminaisons, les doigts, les orteils, les, les, ces parties-là ne reçoivent plus, les extrémités ne reçoivent plus. Du coup, le risque majeur, c'est toujours au niveau des pieds. Parce que vous savez, on, si on s'assoit toute la journée, on ne bouge pas les pieds, mais ce qui si est sur les mains, on est manger, on est en train faire des trucs. Et rarement on peut avoir les problèmes aux mains. Donc aujourd'hui sachez que vos pieds sont à risque si vous souffrez de diabète. Et si un jour de vous de diabète vous connaissez quelqu'un qui souffre de diabète, dites-lui que ses pieds sont à risque. Comment faire pour éviter qu'on arrive à la tragédie Comment faire pour éviter que euh, qu'on ait ce problème-là Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut bien traiter son pied. Déjà un, il faut bien laver ses pieds, nettoyer les entre-orteils. Et bien sécher chaque fois, c'est très important. Il faut porter les chaussures larges, pas serrées. Donc, quand tu as le diabète, tu portes les talons, ça serre et tu fais encore toute une journée, toute une journée, les talons et tata, le pied diabétique te guette. Et on va voir ce que le pied diabétique peut faire. Donc, il faut porter les chaussures larges, pas serré. Il faut éviter de tailler les ongles parce que ton pied est devenu fragile du moment où l'oxygène n'y arrive plus trop. Ton pied a seulement besoin d'une petite erreur comme ça, pas pour se blesser. Donc il faut éviter aussi de marcher pieds nus parce que ton pied devient insensible lorsque tu es diabétique. Tu, tu peux même piétiner le fer, tu peux même, tu peux même te brûler parfois, tu ne te ressens pas. Et pourquoi il faut éviter tout ça Parce que si tu te brûles, la blessure ne va pas vite guérir. La blessure va... La Blessure guérit comment parce que les, 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 les le sang transporte les, les, les places les piastrines les l'oxygène les, 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 pour pouvoir faire guérir la blessure. Mais du moment où tu es diabétique et que nous toi et moi nous savons que le glucose est plein dans ta circulation sanguine, ça veut dire que cette sensibilité tu n'as plus donc si tu te blesses, tu es fichu. Donc, il faut éviter souvent de trop tailler, de tailler les ongles. D'ailleurs, on interdit même on. Interdit, non, c'est une grosse parole. On, on conseille d'éviter de tailler les ongles. Ne marchez pas pieds nus, comme je disais tantôt, et vous aurez moins de problèmes. Maintenant, si vous vous blessez, arrangez-vous à ce que la blessure, ça veut dire que traitez cette blessure-là comme si c'était la fin de votre vie. Parce que si vous ne traitez pas la blessure, ça va s'infecter. Et lorsque ça s'infecte, c'est du chaos. Lorsque ça s'infecte, vous allez voir, ça, ça progresse. Un peu, un peu, un peu, un peu. Et ça monte. La blessure ne fait que pourrir. Vous ne comprenez pas. Pourquoi la blessure c'est guérit On m'a vendu. Là. Non, on ne t'a pas vendu. C'est juste que la, la science, selon la science et la médecine, l'oxygène n'arrive pas là-bas. Les nutriments n'arrivent pas assez là-bas pour pouvoir ironer et oxygéner la blessure la faire guérir. Donc, si tu fais tout ça et tu fais l'activité sportive, cest dire que tu bouges vraiment pour pouvoir permettre au sang d'arriver là. Parce que quand tu bouges beaucoup l'oxygène arrive au lieu du CO2. Si tu arrêtes aussi de fumer le tabac, parce que si tu fumes, au lieu que l'oxygène arrive là-bas, c'est plutôt le, 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 le nitrate du tabac qui va y arriver et toi, mais tu sais comment ça va causer les, les, les dégâts. Si tu arrêtes aussi de trop boire l'alcool, arrêtez, bon, limitez le taux d'alcool. Mais la cigarette, il faut carrément arrêter. Donc, si tu prends toutes ces précautions-là, toi, tu verras que ton pied... Qui pouvait être diabétique ne le sera jamais et tu ne peux pas avoir ces risques d'amputation. Parce que l'amputation vient du fait que tu commences avec une petite blessure et après, ça ne va pas. Il faut enlever le pied parce que au fur et à mesure que ça va évoluer, ça va arriver au niveau du genou, d'où on trouve une artère de gros calibre. Et puis, boum, ça va monter jusqu'au cerveau, surtout s'il y a une infection. L'infection va aller très vite jusqu'au cerveau et tu peux en mourir. C'est pourquoi on ampute souvent, généralement. Donc déjà, pour éviter l'amputation, pour l'éliminer de ta vie, il faut d'abord éviter le pied diabétique. Aujourd'hui, dans la vidéo, tu as écouté de quoi s'agit, qu'est-ce que le pied diabétique, comment l'entretenir et comment éviter d'arriver à ce niveau. Si toi-même, tu as une expérience dans ce domaine et que tu vois que je n'ai pas tout dit, peut-être que je ne connais pas tout. Peut-être que je n'ai pas tout dit dans ce sujet parce que j'ignore. S'il te plaît, viens, viens me dire, viens, on en parle. Parce que tu sais, tout dans la vie, c'est l'apprentissage. Chaque jour qui passe, on apprend. Chaque jour est une occasion pour apprendre. Donc aujourd'hui, tu sais de quoi on parle. Tu connais le pied diabétique, tu en as entendu parler, mais aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, santé et prévention t'explique de quoi il s'agit et pourquoi on arrive à ce niveau. Oh, oh, s'il te plaît. Surtout aussi l'alimentation est très importante. Déjà, vous savez déjà qu'il faut équilibrer l'alimentation. Il faut faire tout ça. Maintenant, sur le pied, j'avais je me suis concentrée comment traiter ce pied-là. Donc, j'espère avoir apporté quelque chose de nouveau aujourd'hui. Pardon, likez ma page YouTube. Partagez, commentez. Parlez-en autour de vous. Et ensemble, nous allons sauver une vie. Santé, prévention. Sauvons une vie ensemble. Merci Seigneur.